D'autant plus que je considère que je suis parmi des amis et que, étant moi-même une résidente de Cogit, n'ayant pas fini mon abonnement et ayant dû laisser ma place dans l'espace de coworking pour rejoindre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi dans un bureau beaucoup moins cool, je dois dire, que la villa du lac. Mais effectivement, je poursuis ce travail qui me tient à cœur, qui est de voir émerger en Tunisie une nouvelle génération de faiseurs de richesses et de créateurs de richesses et de créateurs d'innovation de potentiels nouveaux membres de Connect et de Lutica de véritablement percevoir ce dynamisme comme on l'a vu sur la scène politique et dans le monde politique, de le voir et de le percevoir enfin dans le secteur économique. Alors effectivement, la tâche n'est pas simple. Je pense que j'hérite du segment le plus difficile, qui est celui de l'accès au financement. Et effectivement, nous comprenons parfaitement le fait que ça puisse être signalé par les jeunes promoteurs, les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs de projets comme étant l'un des obstacles majeurs. Des fois, c'est aussi lié à la perception plus que aussi à la réalité et à la diversité des acteurs du financement qui existent. Mais cette perception est légitime et la question des délais est également une question légitime. Et ces délais-là, moi, je ne sais pas exactement dans quel environnement est-ce que vous avez fait votre sondage, mais ils ont tendance à augmenter dans les régions qui sont les plus reculées de la centralité. Et du coup, on se retrouve là au cœur du problème qui est transversal à la majorité des questions aujourd'hui de politique publique et qui est cette dichotomie qu'il y a entre les demandes des régions, entre les demandes des espaces périphériques et la réactivité de la centrale et de la réactivité de Tunis, en fait. Le principal établissement de financement que l'on connaît, en matière de micro et mésofinance. Miso, c'est une soupe japonaise, pardon. Et la mésofinance, c'est effectivement la BTS, que tout le monde connaît. Pas un entrepreneur qui ne connaît pas la BTS. En général, la connaissance avec la BTS se fait très rarement de façon positive. La question des délais est toujours rapportée. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas défendre la BTS, mais je vais expliquer peut-être pourquoi est-ce que nous avons des délais, je dis nous, parce que la BTS est un établissement public, où nous-mêmes, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, déposons un certain nombre des budgets que nous négocions auprès du ministère des Finances, dans le budget de l'État, et que je considère est l'argent public qui est... donné par le peuple et qui doit être réutilisé ensuite par les citoyens. Et la question donc de la durée et des délais a souvent été répertoriée comme obstacle majeur. La majorité du temps, c'est lié à pas vraiment de la mauvaise foi, mais à un certain nombre de procédures administratives qui sont très nombreuses et qui demande des délais de traitement et de validation qui, peut-être notre génération, considère aujourd'hui qu'avec le progrès technologique, on n'est plus véritablement besoin de montrer patte blanche de façon administrative et fournir un nombre de papiers qui parfois peut être complètement décourageant. Et ensuite, absolument inutile, disons-le, c'est pas grave, c'est la tradition jacobine tunisienne, et notre amour du papier, et dans le même temps, d'avoir une espèce de précautionnisme aujourd'hui post-révolutionnaire de la part d'établissements publics comme la BTS qui ont pu souffrir à tort ou à raison pendant la dictature d'une mauvaise gestion qui était notamment liée au fait qu'il n'y avait pas, disons, de regard suffisamment fort porté à la question des résultats financiers de ces établissements-là, à la mauvaise gestion qui parfois a pu être faite par des acteurs politiques, mais également à, disons, la corruption.